J'ai fait des recherches et je peux te fabriquer de nouveaux équipements. Ça me sera utile. À ton service. Quelque chose pour Freya ? J'espère que ça te convient. Kratos ? Que puis-je faire pour toi ? Ne me remercie pas. Ils invoquent un fantôme! Dépêche-toi! Ennemi à terre! Est-ce que tout va bien, je... Oh, non. Ce sont vos têtes normales. Bonjour, Sindri.
Shogun! Sur ta gauche, contre maraudeur! Gagne à toi, mon frère! Contre maraudeur, sur ta gauche! Tu brûles, Kratos. Ça passera. À présent, les loups peuvent cesser de gémir. J'en ai assez de ton manque d'empathie, tes propres bêtes. C'est Deimos, n'est-ce pas, mon frère? J'ai eu tort de te parler de Deimos. Tu te retrouves dans ces louves, dans leur peur. Ne restons pas là. Regarde, il y a des débris de ce côté. Des restes de la statue de Tyr, je présume. Défends la paix. Ce sont les Jötnar qui ont fabriqué ces brassards pour la statue de Tyr. Ils avaient confié cette tâche à leurs artisans les plus émérites. Tu as une bonne mémoire, Freya. Comme Tyr, les Jötnar pensaient que la défense était la meilleure des attaques. Donc, c'est ainsi qu'ils ont choisi de le nommer. Les géants n'avaient pas tort. Regarde, un autre camp de maraudeurs de Kaul. Nous devrions nous occuper d'eux pour apaiser tes louves. Sur ta droite!
chef. Est-ce lui qui avait capturé les louves avant que tu les sauves? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, sa mort devrait les réconcilier. Ils ont encore peur. Pas des maraudeurs. N'ayez pas peur. Tout va bien. Bien. Bon loup. Louve. Bonne. Peut-être le casque de la statue de Tyr. Gagne les cœurs, pas la guerre. Bien, je crois que c'était le dernier morceau. Je doute que le reste soit intéressant. J'ai toujours admiré l'amour qu'inspirait Tyr. Là d'où je viens. Les dieux de la guerre ne sont pas vénérés de la sorte. Tous les dieux de la guerre ne se valent pas, mon frère. Non, en effet.
peux. Oh!
Les Nornes t'ont donné de bonnes nouvelles ? Non. Ah, l'achat d'un objet hors de prix te changera peut-être les idées ? Que puis-je faire ? Je vais désinfecter mes outils. Devrait faire mal. Et pour la reine des Valkyries ? Tout ce que tu voudras, quand tu voudras. Parle-moi du pouvoir d'Emdal. Il peut lire l'avenir ? C'est plutôt qu'il peut lire les gens, voir leurs intentions. Mon intention sera de le tuer. Le savoir ne lui sera d'aucune aide. Tu ne peux pas te permettre de le sous-estimer, mon frère. Quelles que soient tes attaques, il les aura vues venir. Si tu dois l'affronter, il nous faudra autre chose. Un atout, d'accord ? D'accord. Nous demanderons aux nains.
Ah, demandons aux nains. J'aurais dû m'y attendre. Excuse-moi, mon brave. Puis-je te demander un instant? Oh non, oh non! Que va-t-on faire? Qu'est-ce que tu veux? J'ai appris que Nithog avait été tué. Et que, par conséquent, sa progéniture s'était dispersée dans les 9 royaumes. Et alors? Malheureusement, sans figure parentale pour les éduquer, ces petites terreurs vont inévitablement se faire corrompre. Avec le temps, cette corruption pourrait tout simplement les conduire à dévorer les 9 royaumes tout entiers. Afin d'éviter ce sort tragique, j'aimerais que tu m'apportes les Lindworm. Je me crois en mesure d'assumer le rôle de figure paternelle et de pourvoir à leur éducation. Tu trouveras ces chenapans qui grignotent des brèches à travers les royaumes. Utilise ce dispositif pour les capturer et me les rapporter. Tes efforts seront récompensés. Tu veux dire que tu les élèverais toi-même ? Exact. J'ai une grande expérience en matière de personnalité difficile. Comparé à ma lutte avec mes émotions au sens le plus strict du terme, je pense que l'élevage d'une poignée de Lindworm sera un jeu d'enfant. Bien, des questions avant que vous ne repartiez ? À propos de Nithog, il faut que tu saches que nous n'avions pas le choix. C'est Odin le responsable. Oh, je me doute bien que le père de tout a eu un rôle à jouer dans cette tragédie. Hélas, on ne peut pas lui demander de corriger ses dérives. Tous les dieux n'ont pas ton appétence à rattraper leurs erreurs du passé. Bien, récupère le dispositif de capture et pars en quête de nos Lindworm disparus. Bon, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Cela dit, je serais ravi de t'écouter si autre chose te préoccupe. Vous êtes rentrés ? Ils sont rentrés ! Calme-toi ! Je les vois. J'ai du nouveau. Oh ! Les Nornes t'ont-elles dit comment récupérer Atreus ? Quel est le plan ? Les Nornes m'ont dit qu'Emdal tuerait Atreus. Le plan, c'est qu'Emdal meurt le premier. Oh, waouh, d'accord. Emdal, voyons voir. Ne perds jamais, vois tout ce qui arrive, n'est pas un rigolo, ça sera pas facile. Quels que soient ses avantages, je le surpasserai à l'aide des miens. C'est ça! Tu vas devoir surmener ses sens, hein? J'ai justement une idée qui devrait t'y aider. Sindri, va chercher Dropnir. Dropnir? Mais on en a besoin, nos réserves! Oh, on a ce qu'il faut, et plus encore. Et puis Dropnir n'est pas une arme. Pourquoi un... Oh, tu veux l'associer à... T'as tout compris. Ensuite, quand il... Ça fera... Ah, c'est drôlement brillant. Très bien. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que... d'aller chercher Dropnir. Dropnir. J'étais sûr que c'était les nains qui l'avaient. Et Odin me reprochait sa disparition. Ils ont volé Dropnir. On n'a rien volé du tout. On a repris un cadeau qu'on n'aurait jamais dû faire en premier lieu. Comment va-t-il m'aider à tuer Emdal ? Ne t'en fais pas pour ça. Ce sera une surprise. C'est notre domaine. Mais rien que pour garder Dropnir, il faut... Oui, tu disais ? La violence engendre la violence, Kratos. Je pensais vraiment que tu l'avais compris. Je me moque de ce que tu pensais. Mon fils est en danger. Je ne laisserai personne faire de Thank you.
tu vas me manquer, mon petit. Je l'ai! Je crois. Nous sommes tous inquiets pour ton fils, mais nous... Assez. Heimdall est dangereux, non seulement pour Atreus, mais pour nous tous. Il est l'homme d'Odin, et il porte la corne qui lance le Ragnarok. Nous avons une chance de l'éliminer, mais... Cela peut aussi bien être un piège, car ce fumier connaît tes intentions. Kratos, je n'ai jamais vu qui que ce soit poser la main sur lui. Jamais. Bon, j'ai rassemblé tout ce dont j'avais besoin. Combien de temps faudra-t-il ? Il faut aller à Svartalfheim récupérer le reste du matériel. Sans oublier une visite à... la dame. Oh. Oh. Ouf. Quel soulagement. Ouais. Oh. Kratos. C'est quand tu veux. Je n'en sais pas plus que toi, mon frère. J'aimerais qu'il vienne avec nous, Tyr. Je sais que tu veux bien faire. Mais, à vrai dire, je n'aime pas celui que je suis devenu lors de notre dernière sortie. Je ne peux pas supporter la violence qui le suit partout, qui vous suit tous les deux. Je suis désolé. Je suis prête, c'est quand tu veux. À plus tard. Ah, il est temps d'aller voir la dame. Bon, je prends le relais. Oh que non! Tout ça, c'était mon idée. C'est moi qui parlerai à la dame. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler à la dame. Pour de très bonnes raisons. Brock nous accompagne. Quoi? Non. Tu l'as entendu. Ne fais pas de deal. Je causerai pas de problème. Qu'est-ce que... Ah, foutu nabo. Vous croyez que ça va nous retenir? Vous allez voir si ça me retient. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, juste Sindri qui cherche à accaparer toute la gloire. Pour changer... Pas ça. L'accès. Qu'est-ce qui clochait avec l'accès? Je suis sûr que quelqu'un a dû trafiquer la machinerie depuis Nissavellir. C'est sûrement à cause de toutes vos petites incursions, d'ailleurs. Mais c'est pas la peine de se prendre la tête. Le vieux Brock a de la ressource. J'ai d'autres moyens d'aller et venir. De vieux accès qu'il penserait même pas à chercher, parce que c'est des abrutis. Où sommes-nous, Brock? C'est là que vous descendez! Une galerie de service abandonnée, accès direct au camp de forge. Je vous retrouve là-bas! Allez! Brock! Envolé! Es-tu sûr d'avoir fait le bon choix, mon frère? Je lui fais confiance. Il parle sans détour. Mais avec tant d'images. Thank you.
Voilà une surface inhabituelle. Elfique, je pense. Voilà. Continuons à coopérer ainsi, et peut-être est-ce Asgard qui brûlera un jour. Ce n'est pas ce que je souhaite. Le destin n'a que faire de nos souhaits. Qu'est-ce que tu insinues, Altesse ? Rien du tout. Le pauvre. Mais pourquoi venir se cacher ici ? Il y avait quelque chose dans ces tunnels qu'il craignait plus que la faim. Ça n'est pas très rationnel. La peur l'est rarement. Nous devons ouvrir une sortie. Ce baril près de la porte devrait faire l'affaire. Tiens donc, une galerie pleine d'alcool et d'explosifs. Voilà qui résume plutôt bien la culture Ned. Brimer une culture qu'on a participé à saper, typique des As. Je comprends mieux pourquoi cette galerie de service est abandonnée. Attention à gauche !
prudence. Ça m'a l'air inflammable. Encore une fuite d'huile. Ah, une fuite d'huile providentielle. Laisse-moi prendre la place de Brock. Il ne doit pas parler à la dame. Surtout pas. Non, ne me redemande pas. Mais... Oh non. Ce n'est pas de sa faute si Atreus est parti, tu sais. Ou bien, n'es-tu que le champion de Brock? Ah, tu vois, tu insinues encore et tu le sais. L'homme le plus intelligent qui soit ne comprend donc pas. Les géants taisent l'existence d'un personnage mystérieux altérant le destin du Ragnarok. Et tu ne reconnais pas le seul prétendant rationnel. Il est parti en guerre contre les géants et tu as gagné. Je ne suis pas leur champion. Eh bien, nos opinions sur le sujet diffèrent.
Ce genre de rouage s'accompagne généralement d'une chaîne. Les flèches sigillaires devraient fonctionner malgré la glace. Semble lié. Essaie de briser cette fixation au loin. C'est ouvert. Oh!
cornes, il était anormalement robuste. Les nains auront du mal à reconquérir ces galeries. Nous devons ouvrir au moins l'une de ces portes. Cela a comme un air de déjà-vu, mon frère. Je parie qu'on peut détourner l'eau pour faire tourner cette roue. S'écoule au-dessus de nous, je veux dire. Penses-tu pouvoir faire geler l'eau avec ta hache ? Nous pourrions alors nous en servir pour faire tourner la roue. Fuck!